Salut à tous et à toutes, bienvenue donc pour un nouvel épisode de Axandre de 19. 50. Qui s'éclate donc sur Ark Survival, il est 19h58, nous sommes le mercredi 2 mars 2022, c'est parti pour l'aventure. Alexa, Alexa, tu mets une alarme dans 18 minutes? 18 minutes à partir de maintenant. Allez, c'est parti. Donc, tu m'avais dit, Axandre, on met dans Ptera. Alors, je ne sais pas ce qu'on met. Il faut que j'aille plus haut. Axandre. On prend outils dans armoire et Bola, on tue deux paras pour viande. Allez, c'est parti. On va déjà commencer avec ça. Ok, donc là, t'as que dalle dans l'armoire. Il me semble que c'est l'atelier, hein. Bon, voilà, donc on prend les armes, les outils. Les flèches, ouais, ok. Donc, on s'habille, je crois, tu m'as dit, non? Non, tu m'as pas dit de tu t'habiller. Donc, je prends pas ça. La pioche, t'as que ça en pioche. Tu as la faucille. Une lance, tu l'as cassée. Les flèches enflammées, je prends puisque j'ai pris l'arbalète. Les bolas, t'en as pas de bolas, j'en vois pas. Je ne vois pas de bolas, Axandre. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, tu me dis Ebola, on tue deux paras, moi je veux bien. On fabrique bolas. Combien tu en veux, Axandre? Combien je t'en fais? Alors, branchage, fibre, fibre. Ok. Branchage, tu n'en as pas. De la peau, tu en as, il n'y a pas de problème. De la pierre, tu n'en as pas. Donc branchage et pierre. Branchage et pierre. On va chercher de la pierre. Hop. Attends, je me suis trompé de truc, moi. Ça va là et l'autre, il va là. Voilà, ok, c'est mieux. Voilà. Allez, hop, de la pierre. Ah, t'as un parasaur, toi, de tamé. Ok. 3. Allez, on fait 3. Voilà. 1, 2 et 3. C'est fait. Ensuite, on va chercher parasaur pour la viande. Hein. Le jackpot, ouais, pour les beaux les maisons et les caisses, ouais. Ok, ça marche. Alors, je cherche des parasaurs. Hein. Là, il y avait un fiomia, bon, ça c'est équivaut, mais bon. Tu veux des parasaurs, on va chercher des parasaurs. En voilà. Je le tue comment? Enfin, je le dépiauce comment? Le meilleur, ça va être la hache. Hein. Hop. Hop, stop, je prends la pioche, parce que tu veux de la viande. Hein. Voilà, 44 viandes. Il y a un autre bola là-bas. Un autre par hasard, je veux dire. Non, même deux. Avec ce qui ramène le plus de viande, donc c'est bien la pioche, ok, j'ai bien fait. Et hop là, on va tuer avec ta hache. Ça te fait de l'XP en plus. Voilà, c'est bon. Donc les deux parasaurs sont faits. Je vais donc. Qu'est-ce que tu m'as dit après pour la viande? Le ptera, je crois. On va aller voir la petite caisse à raid. Ah, d'accord, ok. Alors attends, avant, tu m'as dit ptera et dilo est dans le feu. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Donc je te l'ai réparti en 3. Hein. Et on met dans le ptera, dilo et dans le feu. Tout à fait. Merci de me le répéter, Alexandre, parce que faut que je cherche vos messages après. On l'a fait cuire, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Pas de problème. Thank you.
Alors, Ptera, 40. Il aura 5 niveaux à mettre. Dilo, 40. 40 viandes pourries et 9 niveaux à mettre. Cool. Le feu. Je récupère ça. Je te mets la viande, 35 et 40. Je te mets le branchage et que ça. Voilà, c'est fait. On l'a fait cuire, il n'y a pas de problème. Et on va voir la caisse. La caisse à raid. Non, la caisse tout court. Hein. La caisse, elle est là. Lune. Lune. Puis on prend pareil, on va chercher baie pour les dodos. Ah bon, bon, voilà. Bon, t'as vu la petite caisse, c'est lune. On prend donc le para ou le... Attends. Puis on prend parasaur. Ah, le parasaur, on va chercher des baies. Ok, ça marche. Pour les dodos. Ça n'a pas changé, apparemment non. Apparemment, hein. Après, c'est peut-être qu'il y a encore des choses dedans, hein, mais je sais pas. Hein. Peut-être bien, c'est peut-être pas bien. Hein. Bon, là, je te fais des baies pour tes dodos. Hein. Non, c'est comme Julio Iglesias, hein, il n'a pas changé. Hein. Enfin, il pourrait plus la chanter maintenant parce que là, il a changé. Là. Ah, wesh. Ah, très bon conseil de Raptor là. 1981, les premiers pas de l'homme sur la Lune. 1981, Alexandre. Oh là, t'es rempli là. Le parasaur, il est. Il a le ventre plein là. Bon. 1969, ouais. 1980, c'était Mitterrand. Hein. Il va se planter lui. Mitterrand, il a été sur la Lune. Ah, d'accord, tu t'es trompé. D'accord, ok. Bon, là, je reviens au mode ralenti, hein. Donc j'attends tes instructions parce que là je suis en train d'aller mettre les baies donc dans les dodos. Voilà. Jette les graines. Ah bon? Alors pardon, c'est pas là les graines. Jette les graines. C'est pas ce qu'il y a de plus lourd. Alors, ça va en écœurer plus d'un, dont moi. Donc, les amarberries, les azulberries, les carottes, les citrons, le maïs, purée, ça fait mal au cœur, et les patates. Ok, jette les graines, puis on retourne à la caisse. Hein? On retourne à la caisse? Ah bon, on retourne à la caisse alors. Hop. Voilà, on est à la caisse. On jette les baies blanches. Alors attends, là je suis à la caisse. On va jeter les baies blanches. Les baies blanches là. Voilà. Et je fais 1969. Ok, ça marche. Alors. Ouais, c'est là. 1969. Et rien, c'est bien, mais ça n'a pas changé. Je confirme, ça n'a pas changé. Tout à fait. Rolio. Ok, on fait quoi? On mange deux slots de baies jaunes. Hein? Ah, je crois qu'il y avait un point d'interrogation à la fin. Non, c'est un 7. Deux slots de baies jaunes, allez. Ah ouais, non, il faut que je les prenne sur le para. Allez, deux slots. Bientôt un niveau. Ah,
Ah, t'es au niveau 40, hein, c'est ça, hein? Non, c'est le parasaur qui était au niveau 40. Voilà. Alors, je mets les baies dans les dodos. Alors, le maximum. Que je sois pas trop lourd. Voilà, là, je suis lourd. On lui mettra 4 niveaux en poids. Ça marche. Oh, ils en ont plein, hein, des belles. Ah, je peux pas plus. Ah ouais, ils ont le poids aussi à respecter, eux. Hein. Ah ouais, là, ils sont chargés de chez chargés, là. Oh, une 9. Voilà, ils sont chargés, hein, je peux pas plus. On prend les baignoires et la viande pourrie et on fait narcos. Ok, ça marche. Hop. Viande pourrie. Voilà. Tu m'as dit 4 niveaux en poids. 4 niveaux en poids. Voilà, je prends les baignoires. Voilà. Puis on va faire deux trucs pour que les dinos montent. Deux trucs, d'accord. Deux rampes alors apparemment, tu m'as dit. Là, c'est là. Les baignoires, hop. Voilà. Et je te fais dépôt de narcos. 39, bien. Des rampes en bois, je suppose. Rampe en bois, on va en faire deux, c'est ça? On met les méjots dans l'armoire de conservation. Ok. Allez, on y va. Armoire de conservation. Méjots, voilà. On met de la poudre d'étincelle dans l'armoire de conservation. Ok. Alors la poudre d'étincelle, elle doit être là. Ah. Je te mets tout. Voilà. Au moins tu vas être tranquille. Voilà. Les rampes, t'as besoin de bois et de branchage. 100 seulement. Ah bon? Ok. Pas de problème. Voilà, ça y est, c'est fait. Tiens, la viande pourrie, je te la mets dans le pilon. J'ai bien fait. Voilà. Donc, bois et branchage, c'est ça, hein, pour les rampes. Ouais, bois, branchage. Bois, tu en as. Branchage, je sais pas. Tu n'as pas de branchage, je vais aller en faire. Branchage. Je ferme la porte. Voilà. Allez. Oh, t'as une super pioche en pierre, Alexandre. On range la peau. Où ça? Une. Il te manque du bois. Tu en as là-bas. On va ranger la peau. Donc je te la mets dans l'atelier. Voilà. Du bois, tu en as, je l'ai vu ici. Là. Voilà, tu as tes deux rampes, Alexandre. Je range ça là-dedans. Voilà. Et le charbon aussi. Voilà. C'est fait. Un raptor te donne un bon petit conseil là, de la viande cuite et puis du pétrole dans l'armoire de conservation. On prend tout le piège et on installe avec para. Je vais où? Je longe la baie à droite ou à gauche en sortant de chez toi? Donc tout le piège, c'était quoi le piège? Je ne me rappelle plus moi. Les murs et ça, hein, je crois, c'est ça. Hein. Il me semble. Voilà. Hein, c'est ça, hein, j'ai tout le piège là. Hein.
Il n'y a pas autre chose là dans l'atelier, non? Non, il n'y a pas d'autre structure. À droite, d'accord. Donc je vais longer la berge. Voilà, à droite, hein. Alors là, faut bien que tu m'expliques, hein. À droite, voilà, par ici. Donc à droite, en sortant de chez toi. Voilà, tu me dis, hein. Stop. Ici. Bien. On regarde. On regarde. Si on peut mettre. Alors, je mets quoi? Alors là, il faut bien que tu m'expliques, Axandre, parce que là, je ne sais pas ce que tu veux faire. Donc, logiquement, on met d'abord les fondations, hein, évidemment. Et là, tu ne peux pas, puisque il y a une maison qui est à côté. Après, il faut que je recule vers le parasol. Voilà, avec la fonda, là, je peux t'en mettre une ici, si tu veux. Après, tu me guides, hein. Donc, plus à droite, plus à gauche, je ne sais pas. Là, bon, je la mets là. Voilà, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'en ai mis une. Ensuite, comment on fait? Donc lui, je le pousse parce qu'il va gêner. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je regarde la mer et tu me dis devant, à droite, à gauche, derrière, pour une fondation. Si c'est ça qu'il faut mettre, hein. Ah ben voilà, là, on place 2 plus 3 en ligne. À droite. Voilà. Ensuite, donc tu me dis à droite, à gauche, derrière, devant. Si tu me dis encore à droite, ça fera 3 sur le côté. Là, je mets là, ok. Voilà. Ensuite, devant. Devant droite, droite, derrière ou gauche. Puis une à côté. Ouais, à côté gauche ou droit? Ah oui, non, là, il faut être précis, hein. Côté gauche, de toute façon, tu ne peux pas. Donc à droite. Ok. Là. Voilà. Ensuite, je me mets là. Donc devant, devant, tu peux. Devant, tu peux. À droite, tu peux. Et derrière. Tu peux. Alors, devant, droite ou derrière. Une à côté, puis encore à côté, droite. Ok, ça marche. Là et là. Voilà. Est-ce que là, ça te va? Ah ouais, non, là, c'est pas évident parce que je connais pas du tout ce pied. Je le connaîtrais, je te dirais, bon, c'est bon, j'assure. Je te le fais sans problème, mais alors là, voilà, c'est bon, oui. Ok, super. Ensuite, puis les encadrements. Donc tu fais, Alexa, stop. Alexa, tu mets une alarme dans 2 minutes. 2 minutes à partir de maintenant. D'accord. Alors les encadrements, est-ce que je fais tout le tour comme ça? Tout autour. Ok, ça marche. Tout autour. Si ça va pas, tu me dis non, non, enlève tout de suite, hein, parce que là, tu as très peu de temps, tu as 30 secondes pour les enlever. Sur les fondations, oui, bien sûr, pas de souci. Voilà, donc j'en ai fait tout autour. Bizarre ton piège. Ah, c'est pour avec des rampes après, peut-être, je sais pas. D'accord. Ensuite. Puis les murs au-dessus, donc, hein. Les murs. Deux de hauteur. Voilà, d'accord. Ok. Donc en haut. Alors attends, j'enlève ça. Ça va gêner. Voilà. Est-ce que c'est comme ça? Normalement, oui, hein. Comme ça fait 2 de hauteur, hein. Pas glop.
Attends. Il y a une erreur. Il y a une erreur de fait. Il faut refaire un. Ah bah j'en ai un encadrement de porte. Ah bah tiens, t'en avais fait plus. Ok, tant mieux. Et un mur. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je répare l'erreur que tu as faite. Merci à TKH J. Oh, il y a 4 J là. TKH. 1, 2, 3, 4J. Alexa, stop. Eh bien, merci d'avoir suivi l'épisode de Axandre qui s'éclate sur Arc Survival sur The Island, sur l'île Herbivore, les 20h19. Nous sommes le mercredi 2 mars 2022, mais j'ai déjà dit au début, donc c'est bon. Rendez-vous au prochain épisode pour voir ce que va nous donner ce piège à Steg, je crois. Donc je découvre en même temps que vous. Allez, ciao, bye bye, à plus.